Coucou les abonnés, c'est Yugo05 et aujourd'hui je vous retrouve pour un unique combat en ligne sur Fighting X Layer avec le personnage de Sharon. Alors Sharon fait partie des personnages DLC gratuits de Fighting X Layer et oui, il y a eu des personnages DLC après la sortie du jeu et ces personnages DLC étaient purement et simplement gratuits, merci Arnica. Alors, il y a quand même un personnage qui est payant, c'est Terry Bogard. Alors, si vous connaissez le jeu de baston, vous savez qui est Terry Bogard. On le retrouve également dans Super Smash Bros. Alors, hop, voilà, une petite projection. Alors, Sharon, donc cette technique de combat, elle est armée d'un pistolet, mais vous pouvez voir qu'il y a un icône de barillet en bas à droite de l'écran. Et oui, les munitions de Sharon sont limitées. Alors, elle a sans doute une commande pour recharger son arme. Enfin, je sais pas. En tout cas, son arme se recharge intégralement entre deux rounds. Mais voilà, les munitions de Sharon sont limitées. Alors, et puis si ça se trouve, non, il n'y a même pas de commande pour recharger, quoi. Quand son flingue est vide, ben, il est vide. Sinon, je pense que. Bon, bref. Alors, on va pas chercher à analyser un petit peu le truc. Mais bon, voilà. Donc, en face de moi, j'ai le personnage de Blair qui a un joli jeu de jambes. Allez, tiens, prends ça, voilà. Donc, un petit super attaque, mais je la. Allez, les croche-pattes. Hop, paf, paf, le. La super attaque encore une fois, voilà, je me saute dessus, je fais un genre de brise-nuque, grave, et le croche-patte pour finir. Bon, c'est un seul et unique combat, hein, parce que dans Fighting X Layer, malheureusement, le jeu est complètement désert, il n'y a pratiquement plus personne, et puis il avait déjà gagné le premier combat, là, c'est la revanche. J'aurais peut-être pu vous montrer le combat précédent que j'ai perdu, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et puis, ça me fait moins de commentaires à faire, ça me permet de tenir moins longtemps au niveau du blablabla. Je suis sûr que vous êtes. Oui, des fois je me dis, mais il va la fermer lui. Bah non, justement, vous m'aimez bien pour mes commentaires, pour ma diction, mon vocabulaire. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous aimez ma chaîne ou pas. Enfin bon, voilà, c'est vaut mieux ça qu'un site qui gueule tout le temps, Vaniketa. Toutes les 3 secondes, voilà. Alors, et hop, le croche-patte, voilà. Et j'ai gagné donc le round, et voilà, je crois qu'on arrive bientôt au dernier round. Oui, on arrive au dernier round de ce combat, donc c'est chez moi, je trouve Fighting X Layer lent quand je le compare à d'autres jeux de combat. C'est peut-être moi, mais ouais, je le trouve un peu lent comparé à d'autres standards du genre, comme Street Fighter, Mortal Kombat, ouais, Fighting X Layer, l'impression que bon, enfin bref. Mais d'un autre côté, il est pas si mal que ça, hein. On le trouve aussi sur PC, hein, si vous voulez le savoir, et je sais pas s'il est crossplay, mais on le retrouve également sur PC. Alors, bah voilà, et il reste plus dans beaucoup de santé, et moi j'ai voulu finir le combat en beauté, alors même à utiliser tout le temps mon super coup, même dans le vide, peut-être avec les chip damage, non. Donc le combat est bientôt fini. Donc c'était Yugo05 pour une vidéo de un combat en ligne sur Fighting X Layer avec Sharon. Et voilà, fin du combat. Donc si la vidéo vous a plu, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mission accomplie, Sharon. Allez, à la prochaine. À plus, bye, ciao.